Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, aujourd'hui ce que je vous propose, c'est un mini reportage de la buée sur mes lunettes, bordel de merde. Voilà, on est un peu mieux comme ça. Un petit reportage, une petite présentation même, j'ai envie de vous dire, sur l'univers des gachapons. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, qui m'ont demandé, Marty, est-ce que c'est possible de présenter un de ces quatre, l'univers des gachapons? Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de conneries, des trucs un peu délirants. Et je vous en avais parlé dans d'autres vidéos qu'un jour je vous ferai un petit reportage. Et bien ce jour est arrivé. Et j'ai bien dit petit. Pourquoi petit? Parce qu'il faut savoir qu'actuellement à Yokohama, je crois, ils ont ouvert carrément une boutique entière, mais un truc gigantesque, réservé du coup à l'univers des gachapons. À Akabara, il y a aussi quelques boutiques, des boutiques énormes, où là il y a vraiment de tout. Aujourd'hui c'est vraiment tout petit, c'est vraiment un amuse-gueule. Et si vraiment ça vous plaît, et bien j'irai à Yokohama tôt le matin 5h pour éviter le monde ou à Akihabara pour vous faire les petits reportages à droite à gauche. Bref, je vois qu'il y a quand même des trucs destinés aux enfants, en même temps c'est normal, on est devant une boutique un peu familiale, un peu où il y a de tout. J'arrête de parler et on enchaîne tout de suite. On commence en douceur avec des goodies principalement orientés Jeux Olympiques 2020, mais bon, ça a été reporté à l'année prochaine, vous savez pourquoi. Voilà, voilà, des petits personnages Hello Kitty, là rien de spécial. Alors, Ampaman qui est, on va dire, la mascotte des gamins. Voilà, hein, ça c'est une tête de... Enfin, c'est du pain, c'est du melon pain. Et il donne sa tête à bouffer aux enfants pour leur filer de l'énergie. Je trouve ça glauque, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Des trucs flippants avec... Ah oui, d'accord, quand t'appuies, ça fait une tête flippante dans la nuit. Pourquoi pas? Là, on a l'univers des Sentai, donc tout ce qui est force rouge. Hein, pour vous résumer ça vulgairement, les Power Rangers, voilà. Des miniguns. Voilà, des miniguns à la Ryo Saiba, City Hunter. Bon, c'est pas du City Hunter, mais c'est marrant, quoi. Ah, ça tire, ok, ça tire des élastiques. 200 yens. Des minions, ouais. Hello Kitty. Fortnite, à fond les ballons. Fortnite, ça cartonne même ici. Et puis une espèce de, je sais même pas ce que c'est ce truc, c'est chelou. Bref, on va aller voir derrière parce que il y en a encore. Et oui ma gueule. De ce côté là, qu'est-ce que c'est que ça? Des sortes d'accessoires musculaires du coup pour vos figurines. Qu'est-ce que c'est que ça? Et encore là on est dans du soft les amis. Mais vraiment quand je vais vous montrer les endroits réservés du coup uniquement à l'univers des gachapons, vous allez péter un plomb. Bref, du mignon. Du mignon, du Pokémon, sympa, on a des œufs, on casse l'œuf, du coup on découvre la créature, du Doraemon, magnifique, très bien réalisé, Momine, on en avait en France ça je crois, Ampaman encore, des petits personnages, du Kamen Rider porte-clés, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Kamen ou du Sentai? Au bout d'un moment je sais même plus tellement c'est un bordel. Bon du coup on a les armes, des sortes de balles moelleuses, dégueulasses, machin, avec des têtes d'animaux, pourquoi pas. Des petits renards, du Kirby, les petits chats qui dorment, et du Astro Boy. Et oui, il y a encore du Astro Boy, Atom. C'est pas fini. On a, je sais même pas ce que c'est du Bandai dans tous les cas. Le fameux train, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Thomas. Donc Thomas et ses potes, de la Magical Girl, hein, mais version 2020. On a, qu'est-ce que c'est que ça? Des sortes de gâchapons d'escalade. What the fuck. Bon, bah fallait y penser, ils l'ont fait. Un chat qui prend son bain avec de la mousse partout. Des petits Mickey, mini, tout ça, mignon. Où on met, en fait, ce sont des mini tirelires, tout simplement. Du Fortnite encore. De la tortue. C'est ça qui est génial dans l'univers des gâchapons, c'est qu'on peut passer des trucs tellement cool à du what the fuck total. Putain, elle range les gâchapons, fait chier. Donc je pourrais pas tout vous montrer. C'est un truc de fou. Des motos. Du Fortnite. Je vais aller vite parce qu'elle range et elle me regarde genre, qu'est-ce que tu fais gars? Du Pokémon. Du Hello Kitty. Des petites maisonnettes. What the fuck? Ah oui, construire un abri en gachapon. C'est génial. Du Kamen Rider à gogo. Des sortes de boules un peu bizarres. On a des insectes. Des sortes de chats samouraïs qui déchirent. Franchement ça déchire, 500 yens par contre. Des petits porte-clés, de la Magical Girl, des crocodiles, de la bouffe. C'est génial, putain je me marre. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait ce sont des bagues
des bagues qui représentent les boîtes de bouffe pour chat. Voilà. What the fuck. Des gounous qui posent leur cul sur le rebord de ce que vous voulez. Du Disney avec des petites cassettes. Sympathique tout ça. De, je sais pas ce que ce sont, des chiottes avec de la merde qui sort. What the fuck. De ce côté-là, on a de la merde sur un bâton. Du Avengers. Je vous dis, on passe du what the fuck à du truc cool. Ah, ça, je kiffe, voilà. Ça, je kiffe. Des petits personnages comme ça, lapins et tout. Ça déchire. On a du Dragon Ball ici. On a du Dragon Ball. Et je vais arrêter là. Ça sera un minime. Alors, mini reportage, vite fait à l'extérieur. Du Pokémon à gogo. Des porte-clés, du Kirby. Pokémon sympathique. Bon, les amis. Ce sera même pas un petit reportage, mais un mini reportage. Regardez-moi ça. C'est mignon. Totalement mignon, mais ça déchire, quoi. Ça déchire. Forcément, comme j'arrive en fin de journée, ils sont déjà en train de ranger. Je vais pas non plus les déranger avec ma petite vidéo comme ça. Du coup, c'est vraiment un mini reportage. Limite, vidéo express, comme j'aime le faire de temps en temps. Vraiment, si ça vous amuse, si ça vous attire, je ferai une double caméra la prochaine fois. Vous verrez mes impressions. Parce que des fois, je fais des mimiques, genre, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme ça, là, par exemple, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? On a des sortes de squelettes. Voilà, des petites squelettes. C'est génial. Ou l'évolution d'un insecte qui sort de sa chrysalide. Voilà, c'est génial. Si ça vous plaît, les amis, écoutez, faites-le moi savoir comme d'habitude. Et puis j'irai faire de vrais reportages dans des endroits un peu plus bondés. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!